Alors, pour terminer cette animation, et là, on va maintenant vous montrer un autre type de session. Ce sont des sessions dynamiques. En effet, nous avons décidé de copier des comportements que font les étalons dans le milieu naturel. Et nous allons commencer avec Maurice par un déplacement en surface. Alors, vous allez pouvoir observer que Maurice, en quelques bâtiments, de Twitter seulement, elle va être capable de traverser tout le bâton. Donc, ça, c'est un comportement qu'il faut quand il joue dans les vagues. Et donc les étalons se trouvent à l'aide de leur grande apparence, ce qu'on appelle des flippers. Ce sont des pattes qui se sont palmées au cours de l'évolution. Et d'ailleurs, ces grandes pattes qui leur permettent de se déplacer à quatre pattes, et bien c'est une différence avec les temps. On les confond souvent, en effet, ils font partie de la même famille qui celle des pilipèdes. Pourtant, chez le corps, ce n'est pas le bras qui sort du corps comme chez les otaries, mais uniquement la main. Si les corps, ils ne se déplacent pas à quatre pattes, ils vont se déplacer en rentrant. Comme le montre Maurice. Ça a été la Maurice. Et sur la petite info, si vous voulez juste une petite tête en vélo pour savoir s'il s'agit d'une coque ou d'une coque ou d'une galerie, je vous invite à observer les oreilles. Les otaries, elles ont des petites oreilles externes qui sont enroulés sur la même pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Et ça, c'est une différence avec le phoque qui a lui aussi une oreille, mais elle est interne. C'est-à-dire qu'on va juste pouvoir observer un petit peu. Alors, il faut savoir que nous avons la chance d'avoir sur nos côtes deux espèces de phoques, le phoque gris et le phoque marin. Si vous avez la chance de l'observer, je vous invite à ne pas trop vous approcher. En effet, dès que vous voyez qu'un animal commence à s'agiter, à être un petit peu inquiet par votre présence, et bien avancez plus, sinon il va finir par retourner à l'eau alors qu'il avait encore besoin de se reposer. On a deux espèces, phoque gris, phoque beau-marin, donc c'est vraiment sympathique de les voir sur nos côtes, donc on peut les observer sans les déranger, donc en restant à distance. Alors on va maintenant parler un petit peu des prédateurs des otaries dans le milieu naturel. Il faut savoir que les otaries ont deux types de prédateurs, et donc les techniques pour se protéger consistent tout simplement à aller Alors, comment est-ce qu'on s'est limité le prédateur? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, ça est censé faire une petite imitation de prédateur pour vous aider les enfants à faire du caisson en continuité, Maurice. Avec pas trop de succès, d'ailleurs, c'est pas formidable. Alors, il y a le requin, exactement. Et le deuxième prédateur, ce sont les orques. Et donc, pour ne pas se faire attraper, et bien les otaries, elles vont sauter sur de très hauts chutes. Et vous allez pouvoir observer que s'il y a de cela, nos animaux, elles vont déjà toucher la cible de le bout de la pêche. Bien, très bien. Et je vais vous donner un petit peu de temps à la principale utilité.
dans le bateau. Mais quand vous avez passé un bon moment en notre compagnie, exceptionnellement déjà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, à bientôt. Moi, je sais que ça.